donne la nature des nombres suivants. 12 cinquièmes, 4 tiers et 24 douzièmes. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Douze cinquièmes, c'est le résultat de 12 divisé par 5. Est-ce que nous allons répondre un peu vite que c'est un nombre rationnel? Bien sûr, ici nous avons affaire à une fraction, mais en fait nous avons trois fractions. Donc on pourrait répondre rationnel, rationnel, rationnel. Mais n'allons pas trop vite. Peut-être avons-nous affaire à des nombres décimaux, à des nombres entiers. Regardons de plus près. 12 cinquièmes, on l'obtient en faisant 12 divisé par 5. Alors peut-être que je te l'apprends, mais c'est un truc intéressant. Comment diviser par 5? Eh bien, en calcul mental, il est très facile de diviser par 5. Divise d'abord par 10, puis multiplie par 2 derrière. Ou bien, commence par multiplier par 2, puis divise par 10 derrière. Diviser par 5, ça revient au même que diviser par 10, puis de multiplier par 2. Allons-y. Prenons le nombre 12, divisons-le par 10, donc c'est égal à 1,2, et multiplions-le par 2. Ça fait donc 2,4. Douze cinquièmes est un nombre décimal. 4 tiers. On va poser la division. 4 divisé par 3. Dans 4, combien de fois 3? Une fois. Il me reste 1. Je mets une virgule, je continue avec 10. Dans 10, combien de fois 3? 3 fois 3, 9. Il me reste 1. Je vais de nouveau abaisser un 0 et je vais recommencer ce processus infiniment. Dans 10, combien de fois 3? 3, etc. Et donc je comprends qu'une infinité de 3 va venir s'écrire ici. Par conséquent, je n'ai pas affaire ici à un nombre décimal. J'ai affaire à un nombre rationnel, dont la meilleure écriture reste la fraction 4 tiers. (24 divisé par 12). Eh bien, si on connaît ces tables, notamment la table de 12, on peut répondre très vite. Imaginons que tu ne la connaisses pas. On va donc regarder si cette fraction se simplifie. Je barre ce 2 avec celui-là. Il me reste donc 2 sur rien. Méfie-toi de ça, rien n'est pas 0 en maths. Ça dépend du contexte. Ici, on n'a pas 0. Ici, c'est comme si on avait x1. Ce x1 qui a l'air inutile, mais qui t'évitera les erreurs. Si tu écris 2 sur 0, tu écris une grosse bêtise. Il est interdit de diviser par 0. Par contre, 2 sur 1, c'est une autre écriture de l'entier 2, tout simplement. Donc ici, nous avons affaire à un nombre entier. Il est possible d'aller plus vite. Si on reconnaît que 24, c'est le double de 12, 24 divisé par 12, ça nous donne 2 directement. Voilà, donc on avait affaire en fait à un nombre décimal pour le premier, un nombre rationnel pour le deuxième, et ici en fait un nombre entier déguisé. C'est ça, donner la nature d'un nombre, c'est arriver à répondre à l'aide de l'un de ces trois mots, entier, décimal ou rationnel, en étant le plus précis possible.